Bonsoir, bonsoir, chers amis. Comment est-ce que vous allez? Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est votre serviteur, M. Jobo Matino de Terre d'Or Afrique. Voilà, nous sommes présentement ici à Yamoussoukro, précisément sur le lotissement dénommé Palais présidentiel de Yamoussoukro. Vous pouvez bien le constater. Au départ, quand on vous parlait du lotissement Palais présidentiel de Yamoussoukro, certains n'y avaient pas cru. Vous voyez un peu, non? Mais il y a plusieurs personnes qui ont porté leur foi au projet et qui ont participé, qui ont soutenu aujourd'hui. Regardez le travail, regardez l'évolution. Vous voyez un peu? J'ai toujours dit à mes frères ivoiriens, la meilleure façon d'avoir des terrains moins chers, c'est de participer à un lotissement. Le lotissement peut prendre un temps, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, mais un jour, ça va aboutir. Voilà. Merci pour ceux qui ont cru en nous et qui ont participé au projet. Dans le temps, c'était les 1 million, 1 500 000. Mais maintenant, regardez bien. Voyez-vous, je suis venu constater que la pose des poteaux a commencé. OK, non seulement ça, mais aussi la pose de la tuyauterie. Parce qu'on a dit adduction en eau potable. Donc, Terre d'Or Afrique ne se mêle pas dans des projets qui n'aboutissent pas. Nous aboutissons toujours. Regardez un peu les images. Regardez bien, voici les poteaux électriques. Regardez bien, voilà, la pose des poteaux électriques a commencé. Regardez bien, et puis aussi la pose de la tuyauterie. Regardez bien ces images. Voilà, voilà, vous voyez un peu. Vous le constatez bien, ça ce sont les poteaux électriques. OK, la pose des poteaux a commencé. Vous voyez bien, le lotissement palais présidentiel. Et aussi l'adduction en eau potable. Voilà, déjà la tuyauterie qui est en train d'être installée. Vous voyez bien. Donc les gens, on est en train de travailler. Hein? Les gens travaillent. Regardez bien, le monsieur qui est là-bas, voilà, il est en train de transporter, vous voyez, les tuyaux. Voilà, vous voyez, non. Le site est en train d'évoluer. Vous avez négligé lotissement palais présidentiel de Yamoussoukro. Ah, c'est mon lotissement chéri, hein. Ouais, vous voyez bien, non. Regardez, vous voyez, les tuyaux sont déjà installés, vous voyez, les tuyaux sont installés sur le site. Vous voyez, ça, c'est à féliciter, hein. Vous voyez bien, tout ça, vous voyez. Et donc, le travail est en train d'être fait, vous voyez. Oui. Donc quand on voit tout ça, hein, voilà, on ne peut que acclamer le Seigneur pour dire Dieu merci. Vous voyez, il y a eu un petit retard au niveau du travail parce qu'ils sont en train de construire le camp d'entraînement hein, de la CAN, hein, le stade d'entraînement de la CAN juste à l'entrée là. Donc ça fait que ça avait fermé la voie, on ne pouvait pas avoir accès au site. Il y a longtemps, moi, je suis arrivé ici. Mais quand je suis arrivé aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a eu un changement. Waouh! C'est vrai que les arbres ont poussé, mais on voit que la pose des poteaux a réellement commencé et aussi la pose de la tuyauterie pour l'adduction en eau. Donc, chers amis, que voulez-vous que je dise encore de plus? Il n'y a rien de tel. Félicitations à tous ceux qui ont cru. Félicitations à tous ceux qui ont déjà acheté les lots ici, qui ont déjà leur attestation. Mais aussi, je veux dire à quelqu'un, toi qui, aujourd'hui, as envie de peut-être acheter un terrain ici au niveau du lotissement palais présidentiel, il faut appeler Terre d'Or Afrique. J'ai encore 6 terrains bien placés, ok? Si vous en avez besoin, ce sont des lots de 800 m², bien placés. Voilà, tout est bien quadrillé. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le plan et puis vous allez voir la position des terrains en question. Voilà, donc il me reste précisément 6 terrains. Je dis bien 6 terrains. Je n'ai pas plus que ça. Je vous dis, il me reste 6 terrains. Ah, donc quand tu finis de regarder la vidéo là, faut agir automatiquement. Mais là, ce n'est plus au même prix. Parce qu'on vous a dit que ceux qui ont cru au projet, qui ont pris le risque, doivent être vraiment récompensés à la hauteur du risque qu'ils ont pris. Ils ne peuvent pas avoir le même coût que ceux qui ont attendu que ça soit cuit. Parce que quand c'est encore au feu, ça a son prix. Et puis quand c'est cuit, ça a son prix. Mais maintenant, où il y a poteau électrique, où il y a tuyauterie là? Ah, mon frère, on fait comment? Si je savais, n'a pas de queue. OK, donc chers amis, on est au lotissement palais présidentiel de Yamoussoukro.